Quand on est un écrivain reconnu et qu'on fait de la politique, on a beau être en pleine campagne, la littérature n'est jamais très loin. Bruno Le Maire peut même lire dans le calme, personne pour l'interrompre, lui demander une photo ou un autographe. Il le sait, ça n'est pas lui la star de cette élection. Si vous voulez dire que je suis moins connu que Nicolas Sarkozy, je vous le confirme. Mais je ne crois pas du tout que ce soit un handicap. Les militants ne demandent pas une star à la tête du parti. Ils demandent un président qui fasse le travail, qui reconstruit sur des bases solides, qui tourne la page du passé. Le passé, le mot est lâché. C'est contre lui que Bruno Le Maire dit faire campagne. Suivez son regard. Son slogan, le renouveau. Son argument, sa jeunesse. Un avantage qui mérite tout de même une justification devant les militants. À 45 ans, Matteo Renzi a été élu à 39. Jusqu'à... Madame Merkel était chancelière d'Allemagne à 46 ans. Je ne parle même pas d'Obama ou d'autres chefs d'État. Moi, je demande simplement que vous m'élisiez président de l'UMP à 45 ans. Si vous estimez que c'est trop jeune, dites-le-moi. Ça ne me paraît pas exagéré. On va aller prendre un petit morceau, là. Alors, trop jeune, Bruno Le Maire. À la sortie, les avis sont partagés. Malgré tout, il n'a pas l'expérience qu'a Nicolas Sarkozy, puisqu'il a été président quand même de la République, et forcément, l'expérience n'est pas la même. Non, pas trop jeune, parce que 45 ans, il a été ministre de l'agriculture estimé, et les has-been, ceux qui ont été, qui n'ont pas su convaincre, qui n'ont pas su réussir, qui prennent leur retraite et qui montent des boîtes de conseil. Vous pensez à qui ? Eh bien, au président Sarkozy, pour qui j'ai pas voté au deuxième tour. Nicolas Sarkozy ne fait pas l'unanimité parmi les militants. C'est ce que Bruno Le Maire s'est répété pour se lancer dans l'ascension du parti. Pour autant, les sondages prédisent toujours un sacre pour l'ancien président. Alors au moment où le challenger visite un barrage anti-avalanche, l'heure est aux comparaisons. Est-ce que votre candidature, c'est pas aussi une manière d'empêcher l'avalanche Nicolas Sarkozy ? Là, franchement, la comparaison est mal choisie parce que moi, ma propre avalanche, elle est partie dès le 11 juin, vous voyez. Donc, j'étais pas là pour arrêter qui que ce soit. Nicolas Sarkozy est candidat depuis maintenant quelques jours. Moi, ça fait 3 mois que je suis en campagne pour porter ce projet de renouveau. En fait, c'est vous l'avalanche ? On verra le 29 novembre prochain. En tout cas, j'agglomère de plus en plus de parlementaires, de locaux, de jeunes. Et j'espère que ça va faire boule de neige, oui. Dernière réunion publique de la journée, 200 personnes accueillent Bruno Le Maire. Au même moment, Nicolas Sarkozy en réunit 4000 à son meeting de Lambersart. Alors l'ancien ministre de l'Agriculture dégaine son ultime argument, sans moi, le chaos. L'énorme avantage que je peux représenter, c'est justement que si je suis élu à la tête du parti, comme l'a dit Damien Abad tout à l'heure, il n'y aura pas de guerre des chefs. Ça ne menacera ni Fillon, ni Juppé, ni Sarkozy, pas de problème. Moi, je m'occuperai du parti et de la réorganisation du parti. A l'inverse, posez-vous la question. Si un ancien président de la République est élu à la tête du parti, comment ça va se passer avec Alain Juppé, avec François Fillon, avec Xavier Bertrand ? Est-ce que ce ne sera pas un tout petit peu plus compliqué à gérer ? La longue marche de Bruno Le Maire durera encore 9 semaines. 9 semaines pour devenir la vraie surprise, comme il le dit. 9 semaines pour tenter d'empêcher l'avalanche Nicolas Sarkozy.